bien, salut tout le monde, c'est NitFox. Donc aujourd'hui on se retrouve pour cette vidéo sur The Division. Ouais, j'ai bugué totalement pour l'intro, donc on juge pas. Donc je suis avec Abacat, salut à toi. Oui, bonjour, je sais. Bonjour, je sais, si c'est la famille. Donc, la famille, je sais. Comme on peut voir, enfin comme vous pouvez voir, il a découvert un Wellbrush vraiment super bien. Alors pour ça, il vous faudra le bouclier, donc ça là, ce que je tiens dans la main. Et tout simplement, donc il faut vous y reprendre à multiples reprises avant d'y arriver. Donc vous courez, hop, tac tac. Et avec un peu de chance, si vous êtes vraiment chanceux, vous y arrivez du premier coup. Bah attends, alors, attends, je tente. Ah voilà, ok, c'est bon, j'ai compris. Alors en fait, la technique, c'est que avant que vous arrivez sur le grillage, vous commencez à juste une seconde avant que vous arrivez sur le grillage, ce que vous faites, c'est que vous appuyez sur R1 et ça va vous déployer le bouclier de l'autre côté. Donc c'est bon, j'ai compris la technique. Par contre, petit conseil. Voilà. Ouais, vas-y. Vas-y. Petit conseil, quand pour les grillages, si vous voulez passer un grillage, évitez qu'il y ait du béton. Parce que quand il y aura du béton, le Wellbrush ne marchera pas. Alors là, vu comme vous, on peut voir que la map est totalement modélisée hein, de A à Z. Il y a même du PNJ. Et il y a de la vie, hein. Franchement, il y a de la vie, donc franchement, il n'y a pas de surprise, les gars. Il faut vraiment s'attendre à un prochain à quelque chose d'assez intéressant. Donc là, on va essayer de rejoindre Central Park et pourquoi pas voir la prochaine mission incursion qui a ici même sur la carte. Donc j'espère que ce Wellbrush vous plaira, mais pour l'instant donc franchement, regarde-moi ça, franchement c'est quand même énormément dommage qu'ils nous partagent pas ce plaisir de pouvoir accéder à l'autre plaisir à un plaisir merde, je crois que là en fait on peut pas y accéder de l'autre côté. Bah attends, au pire non, bon, je suis fail. Bah normalement ouais. on peut pas y accéder là. Je sais pas, normalement si. Attends. Mais bon. Au pire, bah, attends. On reviendra après. Au pire, attends, faut trouver. Ouais non. On n'a pas d'autre sortie pour rejoindre le Central Park. Bah à la limite, ce qu'on fait, c'est que le temps qu'on trouve une entrée. Donc bah what, je suis rentré là mais là j'ai raté, on peut rentrer là-bas. Bah ce qu'on fait, c'est qu'une fois qu'on est rentré tous les deux je relancerai Donc comme vous pouvez voir moi j'ai réussi, donc en fait essayez de le faire un peu plus sur ce ici. Donc en fait ce qu'il faut que tu fasses, c'est vraiment prendre du recul et là cette fois-ci tu fais pas une seconde avant, mais fais-le plutôt deux secondes avant. Ouais. Regarde, attends, ce que je vais faire, c'est que je vais revenir là. Attends, parce que je crois que là il y a du béton. Ouais. Et là on est un peu dans le caca. Il y a du béton. Ah, attendez. Ah, t'y es arrivé. Non. Attends. Tac. Ouais, il y a du béton. Je vais te montrer vu que c'est ta vidéo. Au pire, TP toi sur moi. Hein. Bah je peux me TP, ouais, mais ça me servira à rien parce qu'après on va devoir ressortir. Ouais, mais comment on fait pour accéder au bordel? Bah là après on peut pas sortir de... On peut pas. Oh merde. Parce que là, tu vois le truc là, le béton, c'est pas du béton. C'est la limite du Wellbrush. Ah, ok. Du coup... Vous voyez... Ah bah d'accord. Bah attends, ce que je vais faire, c'est que je vais me TP. Vas-y. Bon, on va découvrir un peu là le ce qu'on peut voir. Donc il y a forcément des auto wellbrush à réussir. Donc en tout cas, ouais. N'hésitez pas à me laisser dans les commentaires si vous voulez plus de wellbrush, plus de glitch sur The Division, il n'y a pas de souci, je vous en ferai, on va se casser le cul pour en trouver. Et il y a pas de souci. Oui. Viens voir, regarde. Ouais, j'ai vu sont le bug d'affichage. Ouais.
Alors, comme vous voyez, franchement, la map, elle est modélisée, mais à mort. Et donc, il n'y a pas de question à se poser. Il y aura vraiment quelque chose. Parce que faire autant de travail sur... parce qu'il faut savoir que c'est pixel par pixel, hein, je vous apprends rien. Mais faut savoir que là, ce qu'ils ont fait, regardez-moi ça, tout ce travail pour rien, si je peux dire, pour l'instant. Et franchement, regardez, ça pourrait être une belle zone de contamination ici, vous voyez. Et c'est pas exploité, c'est un grand dommage. Donc quelque part, les Wellbrech, ça permet de voir les créations de The Division. Donc regardez, il y a vraiment plein de trucs qui ont été créés. Regardez-moi ça, on peut prendre dans les trousses, les gens. Donc ça, voilà, voilà une des raisons pourquoi la map va être agrandie. Voilà pourquoi. Parce que c'est tellement modélisé. Donc faut savoir que cette partie de la carte va être modélisée. Là, les gars, vous le savez. Enfin, elle va être ouverte au bout d'un moment dans un DLC. Donc voilà, vous êtes témoin de ce qu'on voit. Et personne pourra dire ce que je suis en train de tourner, personne pourra dire non, c'est faux, la map va pas s'agrandir. Bah là, je peux vous promettre qu'avec la valise qu'on a trouvée, et ben ça prouve que ça va être agrandi. Parce que pour poser des mallettes, et en plus on trouve du petit loot. Donc je sais pas ce que j'ai looté, parce que j'ai toujours pas mon écran j'ai toujours mon écran cassé. Donc bon, je suis avec ce que j'ai. Ouais. Mais voilà. Et Choco, petite parenthèse, tu vois là. Ouais. Pour moi, je pense que ça va être une dark zone, parce que cette zone serait pas parfaite pour une zone d'extraction. Ouais, bah de toute façon, on va vite le savoir s'il y a pas le fameux H qu'on voit dans l'extraction là. Regarde, là il y a quarantaine, regarde. Ouais, c'est pour être ici. Tu sais, tu t'avances au fond là. Tac 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 tac. Merde. Ah, je crois pas qu'on puisse. Et même il y a comme les caisses comme dans les extractions là. Ouais, non, ça pourrait vraiment être quelque chose de sympathique. Non, je pense pas que ça en sera plutôt une. Ouais, aussi une zone de contamination aussi. Parce que vu tous les cadavres qu'il y a, je pense que ça partirait plus sur une zone de contamination personnellement. Ouais. Ah bah tiens, regarde. Donc là, il y a un joueur qui nous a rejoint dans notre groupe. Oui, c'est un pote à moi, ouais. Et il doit se dire, what? Comment ils ont fait? Non mais t'en fais pas, il a fait avec moi. Ah. Ok. Enfin non, il a pas réussi à le faire, c'est juste qu'il s'est TP sur la personne. Ouais, mais il sait pas comment on est entré. Ouais. Voilà. Est-ce qu'il y a autre chose à découvrir? Oh oui, il y a plein d'autres choses à découvrir là. Ouais, ce que je te propose là, vas-y, c'est qu'on retourne sur nos pas, donc c'est-à-dire à gauche là, et parce que je crois qu'on peut, y a pas de bâtiment, et je crois qu'on peut. Bah, au pire, on va à droite. J'ai vu, il y a un gros cargo là-bas. Oui, je sais, mais après ça, on retourne vers une zone. Alors, bah, ce que je vais faire, c'est que je vais couper la vidéo. Alors, ouais, comme dit mon pote là, on est dans un aéroport. Oh damn! Je me suis fail. Non, on peut pas, il y a le béton. Oh ouais, fait chier. On peut pas trouver un moyen d'y monter. Bah si, il y a là. Enfin, attends, on peut passer par là, mais pas plus. Ce qu'on va faire, c'est... Attends, on va essayer de continuer là où il y a le béton là-bas là. Vas-y, viens là. Derrière toi. Voilà. Là, encore une fois, il faudra refaire la technique. Ouais. Donc, je pense que c'est faisable sur ce béton là. Ah, bon, voilà. Je suis passé. Cool. Du coup, il va se TP sur nous. Ensuite, tu vois, c'est pas. Oh, c'est pas du béton, ma gueule. Oh, le bonheur! Donc je pense que les gens là, on est sur une piste pour accéder au putain, au Central Park. Ouais, c'est pas du béton, c'est juste que c'est très très mal modélisé. Oh, oh là, le carnage. Qu'est-ce qu'ils nous ont fait là? Ça, c'est juste pour pas qu'on continue le Wallbrush.
T'inquiète pas, frangin, il y a toujours une solution à tout. Donc là, on peut regarder par en haut bah, le reste. Attends, on va forcément y arriver. Ah. Ah, je crois pas qu'on puisse. Je crois pas qu'on peut. Il me semble qu'on peut pas là. Ah, dommage. Ouais. Dommage. Bah, on peut juste regarder par en haut. Attends. Oh, je me suis blindé. Oh, je me suis blindé. Sérieux, t'es rentré? Ouais, je suis rentré. Alors, normalement. Du coup, j'ai niqué le game. Mec, je savais pas qu'on pouvait passer par là, mec. Du coup, j'ai niqué le game. Oh, du coup, j'ai niqué le game. Je passe derrière. Oh, c'est bon, moi aussi, je suis passé, mec. Alors là, les gars, franchement. Oh, attends, oh, mec, on peut passer dans l'incursion. Non. Si. Ah, ouais, mais c'est loin. On ira. Je pense qu'on fera ça sur une prochaine vidéo. Donc voilà, ça y est, on est passé de l'autre côté. Donc là, c'est parti pour le Central Park, si tout va bien. Ah oui, donc effectivement, on est obligé de passer par incursion. Donc au passage, on va passer par incursion. Et moi, je vous dis à tout à l'heure, le temps qu'on y est. Donc les gens, avec la lunette que j'ai d'ici, on peut apercevoir les camions de la prochaine. Ça c'est la Dark Zone direct. Donc re les gens, donc là, ça sent la Dark Zone quand même. Hein. Je sais pas vous, les bâtiments recouverts comme ça, ça sent à bout de nez la Dark Zone. Regardez. Ça sent la Dark Zone à plein nez ça. Donc ouais. Attendez-vous ici à avoir une prochaine Dark Zone. Hein. Donc moi, je pense que ça sera quand même une des prochaines Dark Zone dans la prochaine mise à jour gratuite là qui prépare la mission incursion. Donc regardez, donc voilà, des choses qui nous prouvent que ici ça sera de la Dark Zone, peut-être le signe là qu'il y a là. Viens, on va explorer la rue là vite fait. On va explorer quand même. Oh. Donc on a découvert un, il y a un PNJ là-bas. Viens, on va le voir. Il y a un PNJ. Il y a des PNJ. Arrête, ça se trouve c'est un putain de screamer qu'on va se taper. Non, c'est bon. Vous attendez quoi quand... Ah, la neige ici, elle est modélisée. Ok. Non, mais franchement, on est passé d'un petit glitch à un gros glitch. Ouais, je suis vraiment assez fier de nous. Enfin, je suis assez fier de... Ouais, voilà, je suis content d'avoir... qu'on ait trouvé ce glitch. Un autre wellbrush pour accéder à toute leur zone qu'il y a. Donc, évidemment, hein. Donc incursion maintenant. Donc voilà, comme indique la, ça y est, on est dans incursion. Voilà la mission, elle est magnifique. Y a rien. Et j'ai l'impression que c'est dans la Dark Zone. Et oui, qu'est-ce qu'il y a, papa? Y a rien, mais juste il nous donne un indice que c'est dans la Dark Zone. Oui, là-bas c'est un peu modélisé. Là, il y a un camion et je ne sais pas trop quoi là-bas. Ah, je crois qu'on arrive au Central Park là. Ouais, on arrive au Central Park, les gens là. Ah, ouais, on arrive au Central Park. Central Park. Donc, regardez, franchement, comme les rumeurs disent, donc ça, excusez-moi, mais ça fait partie de la Dark Zone, tout ça. De la future Dark Zone. Regardez, ils sont en train de modéliser ça pour l'instant. Donc personnellement, il faut s'attendre à avoir une extension énorme de la Dark Zone. Donc à ce qu'il paraît, ils auraient rajouté des choses au Central Park, des cadavres. Donc on va aller confirmer ça. Et en tout cas, n'hésite pas à laisser un putain de gros pouce bleu parce qu'on s'est creusé la tête avant de trouver tout ça. Sauf qu'on peut pas y aller là. Enfin, pas vraiment, c'est juste que tout simplement, c'est... Bon, non, ouais. On s'est pas creusé la tête, c'est juste que je lui ai montré le wallbrush que j'ai trouvé. Et puis, après, il a trouvé comme ça une petite porte de garage, comme ça.
c'est tout. Non mais en vrai, les mecs, c'est quand même de la recherche parce que quand même savoir que pour passer un grillage faut le bouclier, c'est assez, assez dur quand même. Oh, dis à ton pote qui rejoigne la partie vocale parce que je crois qu'il a pas compris en fait. Ah, en fait, on peut pas, on peut vraiment pas passer, on peut vraiment pas placer le truc. Donc en fait, là, on est à la limite de chez limite. Ok. Donc là, on sait pas trop ce qu'ils nous ont fait, là, The Division. Donc c'est vraiment quand même, faut se dire que quand même, ils ont modélisé ces bâtiments pas pour rien quand même. Hein. Alors qu'est-ce qu'ils nous ont modélisé ici? On jeune si machin truc bidule, ok. On va voir si on peut pas escalader tout ça. Ok, donc on peut pas. Ah, donc on peut vraiment pas. Ah non, on peut pas du tout passer de l'autre côté. Donc, comme on peut voir, il y a. La rumeur comme quoi il y avait des trucs qui ont été rajoutés au Central Park, des cadavres, c'est totalement faux, mais par contre on pourrait s'attendre à la Dark Zone au niveau du Central Park prochainement, pas maintenant, je dirais plus dans quelques mois, parce qu'il faut vraiment, il y a vraiment beaucoup de travail encore à faire dans cette partie là et dans tout ce qu'on a exploré, mais c'est quand même du gros travail. Donc en fait on peut avoir accès à toute leur zone en fait. Ouais, c'est vraiment pas mal. Bah écoutez les gars, on va... Ah, non, on peut pas. On va essayer de trouver autre chose et puis... Donc voilà encore une preuve comme quoi cette partie-là risque d'être modélisée. Hein. Encore des rangées de camions comme on peut voir dans la Dark Zone. Donc ça c'est un signe aussi qu'on pourrait avoir. Dans la Dark Zone, pour une prochaine Dark Zone, donc c'est souvent que ça se passe comme ça. Donc regardez, il y a les camions avec les emballages, avec le signe biologique et avec, enfin, avec le logo biologie, enfin de la biologie tout simplement. Et tout ça est modélisé, donc on peut vraiment s'attendre à une prochaine Dark Zone au niveau extension. Donc je pense qu'il y a quand même encore du gros travail. Et en tout cas les gars, n'hésitez pas surtout à rusher le jeu parce qu'à mon avis cette Dark Zone là risque d'être... Donc là on est déjà dans un haut métro, enfin on a un métro, on peut voir, et c'est pas modélisé. Ça fait quoi si on entre? Ah d'accord, on peut pas y entrer. Ok, bon, on sait déjà qu'il y a un métro. Il y aura des métros, voilà, il y aura plusieurs bouches de métro. Oh regarde, il y en a un autre là. Ouais, il y en a plusieurs mais on peut pas y accéder, voilà. Donc on sait qu'il y aura déjà plusieurs métros. Oh putain, franchement ça risque de claquer quand même. Regardez, il y a déjà... Franchement, faut vraiment s'attendre à quelque chose de très très intéressant. Et pour les personnes qui doutent à acheter The Division, c'est vraiment les preuves qui peuvent vous donner envie d'acheter The Division. Parce que franchement, quand vous voyez ça, excusez-moi, mais... une map aussi grande avec autant de disponibilité, c'est quelque chose à ne pas rater. Et je pense que tous les gamers voudraient avoir une map aussi grande. Et je quitte votre équipe. Et voilà, what the fuck. Donc là on pourrait avoir un centre commercial. Peut-être, peut-être. Donc là à partir d'ici... À partir d'ici, on aurait plus de Dark Zone. Ouais. Donc faut regarder par terre, le sol, enfin la neige est modélisée correctement avec des flaques d'eau, tout ça. Ouais. Donc franchement, c'est pas mal, pas mal. Il y a des voitures à hauteur, donc il pourrait peut-être avoir un pont ou quoi, une montée. Regarde, il y a une montée là-bas. Donc là aussi, il pourrait avoir une Dark Zone. Je fais rapport avec le film plastique qui recouvre le bas. Donc voilà, les gens, on arrive là. Donc là, on peut pas aller plus loin qu'ici. Mais par contre, on peut aller là-bas. Ouais, on peut aller par là. Moi, j'aurais bien voulu voir ce qu'il y a là, mais on peut pas.
Donc s'il y a du vide comme ça, c'est que soit c'est ça n'a pas été encore modélisé et du coup ça n'a pas été mis parallèle à cette route-là. Ou soit ça veut dire qu'il y aura tout simplement des souterrains. Donc ça reste à voir quand même. Il y a quand même du gros travail à faire encore. Et de la part de The Division, déjà je m'en excuse d'avoir. Pour The Division, je m'excuse d'avoir well-brush votre jeu, mais en même temps. Avec votre succès que vous avez fait par rapport à votre jeu, franchement, ça donne encore plus envie de découvrir et de partager ça à ses amis, donc pour vous faire plus de succès. Donc on va voir si on peut pas accéder à autre. Alors je préfère enregistrer avant. Oula, ouais. Oh là là. Regarde, Attends. il y a un panneau. What? Ok. On peut donc on peut Ah traverser, oui, c'est mec, déjà il y a une un bonne truc de chose. pièce d'arme, il y a un truc de pièce d'arme. Non. Si, 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 regarde là. Où ça? Regarde, on va à droite et il y a le truc de pièce d'arme. Alors, ah bah attends, là faut faire la technique pour le coup. Est-ce qu'on peut le lancer à travers? Non, on peut pas le lancer déjà. Donc on peut Ok. pas y accéder. Ok. Est-ce que ça on peut le lancer à travers? Non plus. Donc on peut pas y accéder. Je fais un test pour voir. Non, on peut vraiment pas. Ok. Donc là c'est du vide. Il y aura forcément des. Oh, Quoi, qu'est-ce qu'il y a, mec? Ok, je vois. Ah, tu verras dans ma vidéo, je vois un building à l'envers, wesh. Donc on peut voir qu'il y a plein de bâtiments qui n'ont pas été encore modélisés, hein. T'es passé à travers? Ouais. Donc. Il y a plein de bâtiments qui n'ont pas été modélisés, donc je pense que ça faudra quand même qu'on s'y attende pas trop à voir parce que c'est déjà vraiment pas mal de leur part de faire autant de travail et voilà. Ouais, il y a quand même donc ça c'est les Un petits gros boulot. clichés ça c'est les clichés que ah oh regarde qu'est-ce qu'on voit là-bas. Ah oui, mon papa y passait. Game dame, bruh! Dave. Oh! Ouais. Ça veut dire qu'on peut passer. Oh, on peut passer, génial! Alors, est-ce qu'on pourrait accéder au pont? Alors là, les gars, ça serait une première pour moi Ce et serait une vous. dinguerie. Ah ouais, ça serait une dinguerie, quoi! Ce serait une dinguerie. Ouais, alors. Donc voilà Ah les ok, gars, on est... Ah une non mais preuve que attends. ça arrive et que c'est obligé que ça va s'agrandir. Encore une autre, Turtle Bay. Il va y avoir une nouvelle map, il va y avoir une nouvelle map, enfin une nouvelle map, il va y avoir un nouveau côté du Cotentin. Je crois qu'il va y avoir une nouvelle Oui, disponibilité de passage vers le côté est de la carte où vous êtes exactement normalement. on y est. Ouais. Oui, je te dis oui, puisque oui. Oui, sauf que là ce que vous êtes dans ce que vous êtes, c'est un bug, c'est pas une map en plus, oui. Bah non, Non. c'est une map en plus, mec, hein. C'est le Wellbrech là. Là, on est en plein Wellbrech. On voit les camions qui volent actuellement. On peut pas y accéder. Ouais, mais vous êtes pas dans un. C'est quoi votre délire? On est hors limite, c'est-à-dire qu'on peut voir les Oh, regarde. prochaines. On peut voir les prochaines limites. Oh, Battle, par contre, lui se Ouais. fait arracher le fion. Putain, sa mère la chauve là. Sa mère, putain, ils m'ont cassé les Vas-y, couilles, elle mais était morte de merde. mets-toi checkpoint, t'es pas Bref, seul en tout cas, sécurisé. j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, n'hésite pas à Non, laisser mais un like et si elle t'a je peux pas, aidé. dans un jeu, je peux Et pas me puis, connecter. moi, je te dis à la prochaine. Ciao, ciao!